Rahim, bonjour, vous êtes l'organisateur de l'Algérir qui va se passer dimanche prochain. Expliquez-nous un petit peu comment vous l'avez organisé ce festival. Alors, la date du 29 mai, c'est pas un festival, c'est un plateau. C'est pour promouvoir le festival Algérir qui aura lieu cette année 2022 pour sa quatrième édition en Algérie. Comment ça va se passer? C'est un plateau d'humoristes. Ça sera au théâtre Le République le 29 mai. Donc ça sera un dimanche à 20h30. Ça sera un enchaînement d'humoristes. Chacun sa façon va parler du quotidien, politique. Ben voilà, vous connaissez un petit peu comment sont les humoristes. Avec un esprit algérien. Donc ça parle à tout public, mais c'est avec un esprit, c'est de l'humour algérien. Pratiquement tout le monde est d'origine algérienne et nous on veut promouvoir cet humour algérien à travers ces humoristes pour montrer un petit peu ce festival, comment se déroule notre festival en Algérie. Il y a des noms connus, hein, Malika notamment, Warid. Il y a Malika, il y a Wahid, il y a Kamel Abdet, il y a Reda Sediqi, il y a plein de surprises, il y aura plein de surprises, on finit en musique, il y a un beau plateau. Il y a Ilyes Mela, il y a Radon BH, ben, ceux qui connaissent les. Il y a un peu de stand-up, il y a un peu de comédie, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment un plateau riche qui rappelle un petit peu le festival qu'on fait en Algérie. Bon, le festival dure sur une semaine, là c'est une seule soirée. On a condensé tout ça pour essayer d'apporter un petit peu cette âme du festival sur cette date-là. Alors, la genèse. Comment c'est né? Alors, c'est né en 2013. C'était notre première édition, on l'avait faite à Alger seulement. Il y avait eu beaucoup de... En fait, on a remarqué qu'il y avait partout dans le monde des festivals qui existaient. Et on voulait créer le nôtre. Donc on l'a fait en 2013, on avait fait notre première édition. Il y avait eu la participation de Nawel Madani, Ramzi Bedia, Bouder, des noms connus et des moins connus. Il y avait Abdelkader Secteur, il y avait Esmaïn, qui était le parrain de cette première édition. Wahid, il y avait eu beaucoup, il y avait pratiquement une quarantaine d'humoristes et comédiens. On C'était a continué après chaque deux ans. On avait fait en 2015 la deuxième édition au Palais de la Culture à Alger aussi, qui était une très 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 belle édition. C'était une capacité de 3000 personnes par gala. Malheureusement après, il y a eu des conjonctures politiques en Algérie qui ont fait qu'on ne pouvait pas faire et le Covid aussi, on n'a pas pu continuer à faire la quatrième édition. Et donc bon, là il y a le Covid qui est pratiquement fini, on va enchaîner avec la quatrième édition. Paris, un passage obligé? Oui, quand vous avez une ville qui compte pratiquement 800 spectacles par soir, c'est clairement un passage obligé, surtout pour nous francophones et un festival pratiquement francophone, même s'il y a de l'algérien dedans. Donc effectivement, c'est un passage obligé. Vous estimez sur un public de combien? Le public, c'est une salle là qui prend 500 places. Ben, on pense être full, j'espère bien. L'objectif est d'être faire salle comble. Il y a une forte demande. On le ressent, on le voit aussi. Vous dire, cette année, on a fait la France pour vous répondre donc, à la question précédente. L'année prochaine, ça sera le Québec aussi. Voilà. Donc, c'est un festival qui se veut international. Exactement. C'est un festival qui se veut international et on veut vraiment promouvoir cette marque parce que pour nous, c'est une marque Algérie et on va en faire vraiment petit à petit une marque internationale en allant principalement dans les pays francophones. Il y a un site internet, il y a une page Facebook? Bien sûr, il y a un site internet. C'est le site de la société, donc Broching Events, qui est la société qui organise le spectacle et le festival. Et il y a le site Algérir, qui est dédié spécialement au festival Algérir. Sinon, il y a toutes les pages qui de billetterie qui parlent de tout habituel, où on peut trouver les billets ou pour le festival ou pour le spectacle de dimanche. On peut rappeler la date, dimanche? Alors dimanche 29 mai, ça sera la première date, et le mois prochain, le 26 juin, donc c'est des dimanches, chaque dimanche, chaque mois, c'est le dernier dimanche de chaque mois en fait. Le lieu? Ça sera au République, donc le théâtre Le République, l'ancien caveau de la République.
à la place République. Les tarifs ? Les tarifs, ça part de 18 € jusqu'à 35 €. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.